Mesdames, Messieurs, bonsoir. La Chine, amie du Togo, la Chine, grand pays agricole et donc partenaire fidèle de l'État dans l'accompagnement des paysans togolais. C'est l'image que l'on retient de cette sortie effectuée hier dans le Vaud par l'ambassadeur Liu Yuxi, les mains garnies de présents au profit des riziculteurs d'Akolesewa qui expérimentent avec enthousiasme le projet ZAP, zone d'aménagement agricole planifiée. Il était accompagné de la ministre du Développement à la base, grâce à qui le projet a pu voir le jour dans cette localité à la grande satisfaction des bénéficiaires. Prudence Zinsou. Sur 150 hectares de terres agricoles dans le village d'Akolesewa dans le Vaud, se développe une véritable culture du riz au grand bonheur des populations. C'est grâce au projet ZAP, zone d'aménagement agricole planifiée, dont bénéficient ces groupements de producteurs à travers l'appui technique du gouvernement. Avec l'impulsion donnée par la ministre du Développement à la base, le projet qui a commencé timidement en 2013 dans cette localité avec le maraîchage a pris un essor avec l'introduction de cette culture du riz. Deux ans après, les résultats sont encourageants et les conditions de vie de cette population s'améliorent. Depuis que le site ZAP arrive dans notre localité, vraiment, tout d'abord au début, les femmes, elles étaient réticentes. Mais finalement, par la sensibilisation, ils arrivent à comprendre. Et avec le premier essai qu'on a fait la première année, eux-mêmes, d'après les récoltes qu'ils avaient eues, ils étaient tous contents. La spécificité de ZAP, c'est qu'on négocie avec le propriétaire terrien. Tu as de la terre, tu ne fais rien là-dessus. Il faut mettre cette terre à la disposition des femmes qui vont l'exploiter. Et en contrepartie, vous pouvez, ces femmes-là vont vous payer les redevances et de faciliter l'accès des femmes à la terre. Dans cette rizière, sur un demi-hectare, le producteur peut récolter 2,5 tonnes de riz, mais c'est le triple de ce rendement qui est attendu grâce à l'expertise du centre pilote des techniques agricoles des Anguera, avec l'implication effective de l'ambassadeur de Chine, qui offre encore ici du matériel technique à ses producteurs pour soutenir leurs activités. Un engagement renouvelé de la Chine à accompagner l'État togolais dans sa politique de sécurité alimentaire pour tous. J'ai le grand plaisir de voir cette parcelle de riz. Ça prouve une fois de plus que le Togo a de belles terres pour cultiver tout genre de céréales. Je suis sûr qu'avec une coopération internationale, le Togo deviendra sûrement un grand entrepôt de céréales de la région. Au départ, la population ne savait pas quel riz en abondance sur ce site. Aujourd'hui, avec les techniques chinoises, on est passé du simple au triple. Sur une superficie de 0,5 hectares, où on pouvait produire 2 tonnes, aujourd'hui, on peut produire jusqu'à 7 tonnes. Voilà, et en plus, l'ambassadeur de Chine s'est proposé d'apporter du matériel technique pour accompagner, encourager la communauté qui a compris que c'est à travers ce travail-là, agricole, qu'elle peut réellement sortir de la pauvreté. Autre perspective, la bonne conservation des produits issus des récoltes avant leur écoulement. D'où le démarrage de la construction d'un magasin de stockage de 250 tonnes. La ministre du Développement à la base a encouragé ses producteurs à persévérer dans leurs activités agricoles afin de postuler aux produits du Fonds national de la finance inclusive, FNFI. J'estime qu'elle est déjà prête pour accéder plus facilement à la GRICEF, qui est le produit agricole du FNFI. Donc, à quoi également je les ai invités, c'est de continuer par cultiver la paix, la cohésion sociale. Parce que sans la paix, la cohésion sociale, on ne peut rien. Et c'est ce que là que le chef de l'État apporte comme message de tous les jours, c'est-à-dire avoir la paix, la sécurité, la cohésion, pour qu'on puisse parler de développement. D'autres projets de développement sont prévus pour accompagner l'épanouissement des communautés dans leurs activités agricoles, notamment la construction prochaine d'une addition d'eau potable. La ZAP est mise en œuvre sur 14 sites au total sur l'ensemble du territoire. Et l'objectif, selon le gouvernement, est d'arriver à implanter au moins un site dans chaque canton. D'autres petits exploitants agricoles de la ville de Kara bénéficient aussi de l'expertise de la faculté des sciences et techniques de l'université de Kara et certaines ONG dans la constitution d'une plateforme de compostage des ordures ménagères de la ville au profit de leurs activités agricoles périurbaines. Les différents partenaires du projet se sont retrouvés cette semaine pour une séance de restitution des différents résultats obtenus. Nestor Moussou.
Le tandem Avrovica, association des volontaires pour le ramassage des ordures de la ville de Kara, et Ajac, association des jeunes pour l'assainissement et la construction, a piloté le projet mis en place d'une plateforme de compostage des ordures ménagères de la ville de Kara pour une agriculture urbaine et périurbaine. Ce projet, financé en grande partie par le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Togo, a bouclé son délai d'exécution. Beaucoup de résultats ont été obtenus, notamment l'acquisition de 3 motos tricycles qui permettent aux associations de renforcer leur capacité de précolter des déchets. Le deuxième résultat important, qui est d'ailleurs la conséquence du premier, c'est qu'avant le projet, les associations, l'ensemble des 2 associations avaient au total 210 abonnés. Mais avec le projet aujourd'hui, nous dénombrons 510 abonnés. Le troisième résultat que nous pouvons citer, c'est la mise en place d'une plateforme de compostage, donc de transformation des ordures ménagères en compost, qui peuvent être utilisées en agriculture urbaine et périurbaine. Cette rencontre de l'institution marque la fin du financement du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Togo. Mais l'aventure se poursuit. Elle va continuer avec Avrovica et Ajac grâce aux acquis multiformes de la première phase. Et non loin de là, la ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé s'entretenait avec les opérateurs économiques de la région. Au menu des discussions, les réformes entreprises par le Togo en matière économique et commerciale pour rendre plus agréable le climat des affaires. Nous retrouvons encore Nestor Moussou. De région en région, la ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé est arrivée à l'étape de Kara, la dernière de sa tournée nationale. Comme dans les autres régions, la ministre a eu en face d'elle les opérateurs économiques. La démarche de la ministre a consisté à échanger avec eux sur plusieurs sujets, notamment les différentes réformes faites pour assainir le climat des affaires au Togo. Pour ce qui est de l'amélioration du climat des affaires, c'est ça même qui est plus important pour nos commerçants. On leur a parlé de la facilité qu'ils ont à obtenir la carte d'opérateur économique et à un coût réduit, et la facilité aussi qu'ils ont pour l'importation, les exportations de leurs produits à travers le guichet unique du commerce extérieur. Et nous avons profité pour leur parler un peu du produit FNFI à travers le projet ABSEF et les 2 autres projets que le président de la République a lancés en début de semaine, et les inviter à se conformer, les inviter à s'approcher beaucoup plus de nos structures pour toutes les informations, pour les aider. La ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé a demandé à ses interlocuteurs de partager les informations reçues avec ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement. Ce fut aussi l'occasion pour elle et sa délégation de recueillir les difficultés auxquelles sont confrontés ces opérateurs économiques. Nous restons à Kara, où une équipe de l'Office togolais des recettes est aussi en tournée. Elle a échangé avec les contribuables sur les innovations fiscales et douanières en cours afin de donner à l'État plus de moyens d'accroître ses recettes. Nestor Moussou. L'Office togolais des recettes a officiellement vu le jour le 10 décembre 2012 à l'issue du vote à l'Assemblée nationale de la loi l'instituant. L'OTR se veut un instrument au service du développement. Désormais bien implanté, il a entrepris une campagne de sensibilisation et d'éducation à l'endroit des contribuables. Ainsi, l'OTR se rapproche davantage de ses partenaires. L'équipe chargée de mener cette tournée a commencé sa mission dans la région de la Kara avec les opérateurs économiques installés dans la préfecture de la Kosa. C'est un cadre pour informer les contribuables sur les réformes engagées dans le cadre de la mise sur pied de l'Office togolais des recettes. C'est en même temps un cadre pour échanger avec eux sur les éventuelles difficultés qu'ils rencontrent dans leur collaboration avec l'Office togolais des recettes en vue de trouver les meilleures formules de collaboration, parce que l'Office a également pour mission d'offrir des services de qualité aux contribuables.
Anciennement, on parlait des deux régies séparément, la régie des douanes et la régie des impôts. Aujourd'hui, dans le cadre de la réforme, les deux régies ont été fédérées pour disposer d'une administration plus forte qui puisse être capable d'engranger davantage de recettes en vue de financer les besoins nationaux. Être à l'écoute, prendre en compte les préoccupations des contribuables, c'est donc ce qu'il faut aussi comprendre de la démarche de l'OTR. Après l'étape de la COSA, la délégation fera le tour des autres préfectures de la région de la Kara avant de mettre le cap sur la région centrale.